Étonnant, hein, comme. Étonnant, avec la traversée de la mangrove, et là maintenant on voit la belle forêt. Vous avez laissé place au Nibong, les oncospermas. Alors nous sommes au sommet de la canopée du parc national de Ulu Temburong, au cœur de Brunei, puisque le sultanat de Brunei, par chance, est entièrement couvert de forêts primaires, puisque comme ils ont du pétrole, ils n'ont pas eu besoin de couper la forêt, contrairement aux autres parties de Bornéo, puisqu'on est donc au nord de Bornéo. Donc les autres états de Bornéo, que ce soit Sarawak et Sabah, les états malaisiens ou Kalimantan,
l'État indonésien ont beaucoup coupé la forêt et remplacé par les palmiers à huile, comme on le sait. Brunei, grâce au pétrole, donc, a gardé sa forêt. Et donc, on voit très très bien là au lever du soleil, cette canopée dominée par les diptérocarpacées, essentiellement des choréas, quelques diptérocarpus, et en tout, on doit être pas loin d'une centaine d'espèces sur les 600 de diptérocarpacées qui sont ici. Ce sont donc les arbres géants de la forêt, et on voit très très bien cette timidité. Là, on a une couronne superbe, par exemple, où on voit toutes les 6 mètres. Et en regardant en détail, donc dans la canopée, pourquoi on est dans la canopée? Parce qu'on a gravi encore pendant la nuit une colline de 350 mètres, donc dans ce parc national de Ulu Temburong, pour arriver donc sur ces passerelles qui dominent complètement la forêt. Par chance, certaines de ces passerelles passent parmi les cimes des arbres, comme on le voit ici, et j'ai pu confirmer vraiment les phénomènes de croissance des couronnes d'arbres dans la canopée, à savoir ce rôle essentiel des nécroses apicales, des extrémités de tiges dans la croissance des arbres. Et donc généralement, après la saison humide, après la croissance, l'extrémité d'un rameau se nécrose et il y a plus ou moins 2, 3 et souvent même 4 pouces qui repartent dans toutes les directions. Donc on a cette croissance en faisceau qui petit à petit donc crée cette densité extrême du feuillage, puisque une pousse en donne 4 à chaque nouvelle saison, et bien évidemment toutes celles qui sont à l'intérieur, qui reçoivent moins de lumière, meurent et se dessèchent. Donc on a cette construction des couronnes par nécroses successives qui entraîne des ramifications égales. On est donc sur des dichotomies, des trichotomies, des quadricomies, et on voit très bien qu'après les nécroses successives entraînent ces bifurcations, puisque finalement la couronne de ces grands arbres s'élabore essentiellement par des bifurcations successives qui descendent. Donc énormément de rameaux à l'extrémité, de moins en moins dû aux nécroses successives, et après, pour des raisons biomécaniques, on passe souvent à 3 ou 4 branches d'un diamètre de 1, 2 ou 3 cm pour progressivement, comme on le voit très bien sur cet arbre-là, arriver à des bifurcations. Donc on a vraiment, voilà pourquoi les canopées du monde entier se ressemblent, c'est que la croissance des arbres, quelle que soit leur famille, est finalement très généralement extrêmement similaire. D'où ce moutonnement continu de la canopée qui est dû en fait à ces modes de croissance. C'est couvert d'épiphytes, quantité d'orchidées, mais ce qui est très intéressant aussi, ce sont beaucoup d'éricacées épiphytes. On voit dans certains cas les tubercules accrochés. Là je viens même de voir une zingiberacée, je pense que c'est un édichium épiphyte. Et il y a énormément de fougères, mais je suis surpris, les Pandanus épiphytes aussi, Pandanus epiphyticus, qu'on a vu le long de la rivière sur les nérames, hein, Dipterocarpus oblongifolius. Et donc on a vraiment une très grande richesse en épiphytes qui témoigne de cette humidité extrême de cette forêt tropicale de Bornéo. Là on voit très bien à nouveau les bifurcations que je montrais. On voit très bien au sommet, là d'abord 3-4 branches, et puis progressivement plutôt 3, et puis 2, et on voit à chaque fois ces formes en V successives qui donc permettent à la couronne d'arbres de s'étaler de façon extrêmement régulière, donc par dichotomie. Donc on s'éloigne complètement du modèle architectural qui a donné naissance aux jeunes arbres, qui était extrêmement bien organisé, avec donc l'apex qui avait une grande importance dans l'élaboration, hein, la tige principale, pour finalement après passer à un système de croissance où tout devient totalement identique. Donc on a vraiment un changement total de croissance de l'arbre tant qu'il est en dessous de la canopée, tant qu'il est jusqu'à 15, 20, 30 mètres de hauteur, et après, dès qu'il arrive dans la canopée, il change de croissance pour arriver donc à ces cimes timides et moutonneuses dues à leur croissance extrêmement homogène. Maintenant, il va falloir redescendre de ces tours superbes de Ulu Temburong. Je préfère descendre en avant pour voir encore un peu ces orchidées, ces édichiums, et surtout ces branches d'arbres.
Et évidemment, dans ce milieu constamment humide, avec peu de vent par rapport au milieu environnant, on retrouve toutes ces plantes caractéristiques de ces parois verticales suintantes, toujours humides. Donc on retrouve tout le cortège, évidemment, qu'on adore. Là, il y a un superbe Homalomena, par exemple, avec des feuilles satinées légèrement grises. Dans les aracées, il y a, par exemple, un spatifilum, puisque la plupart des spatifilums sont américains, mais quelques espèces sont asiatiques. Il y a là un très, très beau schismatoglottis, avec des toutes petites ondulations sur le bord du limbe et avec un bel acumen au bout de la feuille. Donc, dans les aracées, on voit également le minuscule Bucephalandra motleyana, qui est une des plus petites aracées qui existent, si on fait abstraction bien sûr des Wolffia qui sont maintenant dans les aracées. On trouve bégonia, voilà un bégonia là, avec les jeunes formes qui sont plutôt rouges, riches en anthocyanes, avec le revers rose foncé, les formes après plus hautes qui deviennent vertes, donc plusieurs pieds de ce petit bégonia. Ici, dans les urticacées et la tostema, là, une très belle espèce avec les jeunes feuilles rouges. Donc urticacées, mais urticacées gentilles évidemment, les élatostémas n'ont aucun poil urticant, comme les pilea. Hein. Ce sont vraiment les groupes d'urticacées sans danger. Et à côté, une plante dont le nom ressemble étonnamment, c'est-à-dire ici on a élatostéma et ici on a argostéma. Et ces argostémas, en fait, n'ont absolument rien à voir avec les élatostémas, puisque ça n'est pas du tout une urticacée, mais une rubiacée, c'est-à-dire une plante de la famille du café. Donc c'est assez drôle de voir que deux plantes qui ont des noms qui se ressemblent et qui poussent dans le même milieu et qui ont des formes en plus qui se ressemblent, en fait, appartiennent à des familles qui n'ont rien à voir. Donc les convergences adaptatives face à un milieu arrivent même jusqu'à concerner le nom qu'on leur donne. On voit beaucoup de Gesneriaceae aussi, hein, des Sirtandra par exemple, que l'on aperçoit ici. On voit d'autres grandes Rubiacées, là ici, je ne sais pas du tout quel genre c'est, mais on voit les stipules entièrement découpées en fines lamelles. Et on voit une inflorescence là, terminale, en espèce de pompon, mais ça peut-être que c'est une nocléée, hein, donc du groupe des nocléa. Les fougères sont là, les sélaginelles aussi évidemment. Donc en fait, sur quelques mètres carrés, on est face à une très très grande richesse d'espèces et probablement qu'il y a encore des choses que je vais essayer de découvrir. Là, un beau pied de argostéma. Donc on voit, et dès qu'on fait quelques mètres plus loin, dès qu'on sort de cette minuscule faille humide, et bien quelques mètres plus loin, dès qu'on est en forêt, tout ce faisceau d'espèces, tout ce cortège de plantes n'est absolument plus présent. On trouve d'autres, tout à fait d'autres espèces. Donc voilà, là c'est 3 mètres de ce côté-là et 2 mètres de ce côté-là en hauteur sur 15 mètres de long. Et bien on a tout un cortège, au moins une vingtaine d'espèces que l'on ne trouvera que là, sauf bien sûr dans la prochaine petite vallée encaissée que l'on pourrait trouver plus loin. Voilà, on va continuer un peu à explorer ce monde des plantes qui ne vit que sur les rochers verticaux ou subverticaux. Thank you.
C'est une rube. C'est une rubiacée. À première vue, on dirait une aracée. On dirait, bon, c'est un aglaonema, c'est un schismatoglottis, un omalomena. On s'approche, on se dit, ah ben oui, c'est ça, les nervures sont bien parallèles. Et puis on regarde, les feuilles sont opposées, il y a des stipules. C'est une rubiacée, c'est donc pas du tout une aracée, donc pas une monocotylédone, mais une dicotylédone qui ressemble comme deux gouttes d'eau à une aracée, même dans la nervation. C'est très, très étonnant. Alors, on est sur les berges d'une rivière qui en ce moment est à un niveau d'eau assez bas puisqu'on est au cœur de la saison sèche. Ce que signifie saison sèche à Bornéo, évidemment, c'est-à-dire que pendant 2 à 3 mois, il tombe, au lieu de tomber 300, 400, 500 mm d'eau, il tombe seulement 150 à 200 mm d'eau. C'est suffisant pour que le niveau de l'eau baisse quand même dans les rivières. Et donc ici, on est dans une rivière à fort courant, que l'on entend d'ailleurs, et une plante alors très très remarquable qui est ici sur la berge, qui fait un tapis très continu, un tapis arbustif. On pourrait penser à un Fraecinesia dans les pandanacées, on pourrait penser à une graminée, voire un bambou. En fait, pas du tout. Quand on regarde de près, on s'aperçoit que c'est un palmier rhéophyte, c'est Pinanga rhéophylla, donc qui fait des tiges extrêmement fines, extrêmement souples. Les feuilles avec des folioles très linéaires, très étroites et très souples, caractéristiques de ces rhéophytes qui peuvent être balayés par les courants très forts sans jamais se déchirer. On voit un peu la résistance de ces palmiers. Donc il y a ça peut être emporté par les flots de courant et il tient très bien en place. Et en plus, il reste fixé admirablement puisqu'il forme des touffes. C'est-à-dire qu'il rejette de la base, c'est un palmier donc cespiteux qui rejette de la base, et toutes les racines donc s'accrochent dans les moindres anfractuosités de la roche et surtout enveloppent totalement les roches très épaisses. Donc même si elles ne s'infiltrent pas à l'intérieur, ce qui est souvent le cas, elles enveloppent par-dessus et donc restent très solidement fixées à leurs gros blocs rocheux. Donc on voit d'ailleurs là des petits fruits, hein, voilà, typique l'infrudescence des pinangas. On voit la très jolie petite inflorescence jeune rose vif, très remarquable. Donc voilà, pour moi c'est une grande émotion. Je connaissais bien ce palmier rhéophyte dans la littérature, mais c'est la première fois que je le découvre. Il est évidemment endémique de Bornéo. Et donc sur ces berges de rivière, il y a quantité de plantes vraiment intéressantes. Bien sûr, il y a quelques espèces tapissantes là, comme ce petit Raphidophora. Mais en fait, il est tapissant là pour devenir après également une plante en touffe. Et là, on le voit, ce Raphidophora qui est du groupe Raphidophora beccarii et qui fait qui couvre vraiment de vastes zones sur les berges. On voit de l'autre côté là une plante qui est pour moi vraiment extraordinaire. C'est une Araliacée rhéophyte dont les feuilles sont extrêmement brillantes. C'est Osmoxylon bornéacée, donc qui fait ces espèces de taches extrêmement lumineuses dans les zones sombres sous les grands arbres qui bordent les berges. On voit évidemment dans les palmiers, on voit ces arengas. Je ne sais pas quel arenga c'est, mais c'est un arenga, c'est sûr, qui est très fréquent sur les berges. Il y a beaucoup de rotins. Parmi les rotins, on voit celui-là qui est superbe avec ses folioles en forme de nageoire de poisson. C'est un Cortalcia qui grimpe sur les berges. L'humidité étant très très forte à Bornéo, en fait, on voit qu'il y a un nombre extrêmement élevé
d'espèces épiphytes et surtout la densité est extrêmement grande. Alors, les espèces sont nombreuses, il y a les Pandanus épiphytes, ça c'est quand même une grande surprise de voir autant de Pandanus épiphytes. Le Pandanus épiphyticus, c'est censé être la seule espèce épiphyte, mais apparemment il semble qu'il y ait deux espèces. Il y a une grosse aracée là qu'on voit par exemple qui ressemble aux grands anthuriums d'Amérique, mais en fait c'est, si j'ai bonne mémoire, c'est un syndapsus qui est épiphyte, qui a donc des entre-nœuds très courts et qui a là le même mode de croissance finalement que les Asplenium nidus ou les grands anthuriums comme Anthurium ou Kerry, les anthuriums nids d'oiseaux également. Des Medinilla, certains Medinilla à feuilles rouges. Une autre plante qui est à mon avis une pandanacée très très étrange qui se ramifie, qui pend. Alors, c'est pas un Fraycinesia, apparemment c'est pas un Pandanus. Alors, je me demande si c'est pas le fameux troisième genre, Sararanga. Il faut que je me documente, parce que je sais que c'est un genre qui a peu d'espèces, mais j'en sais pas plus sur sa répartition géographique ni sur son mode de croissance. Beaucoup d'Ericacées épiphytes aussi qui pendent le long des berges. Bien sûr, beaucoup d'arbres penchés sont les nérames, hein, Dipterocarpus oblongifolius, et on sait que les nérames sont très très riches en espèces épiphytes. Là, c'est d'ailleurs un nérame, le grand arbre que l'on voit là. Voilà, donc tout est riche depuis les toutes petites plantes. Il y a des fougères aussi, évidemment, en quantité. Quand on est un peu plus en forêt, dans les plus petits ruisseaux de forêt, il y a carrément le long des berges des minuscules plantes, donc le fameux Bucephalandra motleyana, beaucoup d'Omalomena, des Piptospata dans les aracées, toutes ces choses que l'on connaît bien. Et puis là, une plante là un peu plus haut sur la berge, là, très étonnante, qui est donc visiblement un totea qui ressemblerait un peu au Totea tomatosa, mais qui est tout à fait différent. Et lui, je me demande si c'est vraiment une espèce décrite, parce qu'il est vraiment, vraiment étrange. Donc on voit que depuis le sous-bois, ensuite avec tous les grands arbres qui font de l'ombre, en particulier les nérames, donc les Dipterocarpus oblongifolius, les grands palmiers, là, les aringas, les rotins, toute une richesse, et à l'ombre de ça, donc toute une autre flore, une toute petite plante qui ressemble à un cufea, j'arrive pas à savoir ce que c'est, je l'aperçois là sur la berge en face. Il va falloir qu'on s'arrête le long et que je vois, parce que cufea en principe c'est américain, donc c'est sûrement pas un cufea, mais ça a bien l'air d'être une lytracée quand même. Il y a un arbuste très fréquent aussi, mais là je ne le vois pas, c'est qui est associé aux fourmis, une rubiacée, c'est Myrmeconoclea, qui est donc une rubiacée associée aux fourmis, qui est, ah ben si, il est là, je dis que je ne le vois pas, mais en fait, il suffit d'avancer un petit peu. Voilà, ce Myrmeconoclea, donc qui est très caractéristique avec ses entre-nœuds renflés, que l'on voit ici. Et dans ces zones renflées, il y a généralement des fourmis, pas toujours, mais en tout cas la structure est vraiment très très caractéristique. Hein, ces entre-nœuds, certains entre-nœuds seulement sont renflés, avec, on voit bien, des zones à ouverture potentielle, mais là, justement, comme ces trous apparemment ne sont pas ouverts, il se peut qu'il n'y ait pas de fourmis à l'intérieur. On va voir. Non, là voilà, là on est sur une poche, mais il n'y a pas de fourmis à l'intérieur, mais on voit bien qu'on a tout le creux qui est tout à fait habitable. On la referme. Donc voilà, tout est beau partout et très riche, très diversifié. Il n'y a pas à dire à Bornéo, la flore est quand même une des grandes flores de ce monde et il y a encore sûrement beaucoup de travail à effectuer en tant que botaniste ici et c'est un plaisir pour les générations futures aussi.
Ah oui. Donc un Tothéa, mais une espèce très étrange qui est donc comme Tothéa tomatosa, un axe avec quelques cataphylles, des nœuds renflés et une seule feuille au bout. Les inflorescences sont sûrement latérales, mais il est totalement différent et ça m'intrigue parce que je ne pense pas que quelque chose de comme ça de Bornéo soit réellement décrit. Donc, peut-être que c'est une plante intéressante. Mutuel. Là, nous tombe sur la tembourande. Pas un souffle, pas une feuille ne bouge. Le bruit de l'eau qui baisse chaque jour un peu. Donc voilà, tout est beau partout et très riche, très diversifié. Il n'y a pas à dire à Bornéo, la flore est quand même une des grandes flores de ce monde et il y a encore sûrement beaucoup de travail à effectuer en tant que botaniste ici et c'est un plaisir pour les générations futures aussi. Il y a un bébé ou quoi ? Je pense qu'il n'y a pas un bébé. Et oui, un bébé. Il me semblait qu'il y a quelque chose d'étrange. Oui, il y a un bébé, là. Ouais, collé... Ah oui. Il me semblait que j'osais pas lui flasher, parce que... Hein? On dirait des petits kangourous.